Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 13e épisode de The Last of Us Part 1 sur PC, et aujourd'hui on est coincé dans la cave. C'est parti! Je peux pas écouter ici. Je me disais, quel est le bon chemin pour passer? C'est d'essayer d'ouvrir là et de se dire, bon bah tant pis, je traverse. Peut-être cette porte. Par ici. Je vais prendre ça. Faut que j'arrive à recharger. Ah, il va voir cette grille, oui. Je peux pas passer en dessous. À faire ici. S'il y a des rats, ça veut dire qu'il y a autre chose. Théoriquement. Mmh.
peux monter par là. Je vais allumer le générateur là. Je déteste ces trucs. D'abord, on va faire le tour. Je suis sûr qu'il y a des bestioles qui vont nous sauter dessus. Je suis sûr qu'il y a des bestioles qui vont nous sauter dessus. Je ne vois pas. Une bestiole qui allait nous sauter dessus. S'il y a des bestioles, ça devrait les faire venir. Pas. Déjà, on a la carte magnétique. Ah, il n'y a pas de requin zombie dans ce jeu, XK. J'attends qu'il l'arrange. Non, non, non.
Et voilà. J'imagine qu'il faut... remettre le jus. C'était là. Mais non, mais j'ai appuyé sur la touche F. Je savais. Oui, c'est ce que j'ai fait. J'ai appuyé sur la touche F pour me libérer d'une emprise. Lâchement abandonné. Meilleur bouclier, la porte. Bah ouais. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Ah bah on a plein de pièces là. On va se mettre les tuiles secondaires déjà. Voilà. Aussi un étui secondaire. Ça, je peux voir le pompe et l'arc par exemple en même temps. Capacité, ouais. Du sang. Et 5 cartouches pour lui. Et la cadence. Et puis la vitesse de rechargement.
Qu'est-ce qui nous reste? Toi, tu peux augmenter vitesse de bandage et portée. Toi, tu peux augmenter la vitesse de rechargement. Je vais voir si l'autre, je peux augmenter sa vitesse de rechargement aussi, mais je pense que j'étais déjà... Ah si, a priori, je peux. C'est que 5% de vitesse de rechargement. Mais ouais, il est tellement lent. On va prendre ça. Je pourrais encore baisser le recul, mais... Ça devrait nous aider. Oui, en 44, c'est efficace. On est venu par là, on a vérifié ici, on était passé. Là, j'ai rien raté. Non, mais il est un peu abîmé. Il faut faire ça. Mordre? Pas aujourd'hui. Et toi? Pas aujourd'hui. Ok. On se sépare. Et on s'assure d'avoir loupé aucun de ces enfoirés. Ouais. Je t'ai pas loupé. Enfoiré. Tu vas par où? Tu vas à gauche? Tu vas à droite? Voilà. Dors bien maintenant.
C'est qu'ils étaient que deux, mais en fait ils sont quatre. Et oui, ils sont quatre. Voir la porte qui bouge tout seul. Je sais pas. C'était quoi ? Je peux pas venir. Regardez du bon côté, hein, Coco. Ouais. Personne là. Vraiment pas discret, mais pas lourd. Bah si, la preuve. Qu'il a rien vu. Je suis pas en mode easy, je suis en mode normal. Mais en fait, ils ont... Tu peux arriver sur le côté, ils te calculent même pas. Ils ont un champ de vision restreint. D'ailleurs, le niveau de difficulté, il est ajustable sur tous les paramètres. C'est... Je trouve que c'est assez sympa. Parce que tu peux aimer... le niveau de difficulté de tel ou tel truc, et puis trouver que bah, y a pas assez de loot, par exemple, tu peux changer la quantité de loot, tu peux changer... la sensibilité au bruit des claqueurs, tu peux changer indépendamment chaque truc. 5 ou 6 options, c'est une difficulté. Joueur, ennemi, allié, furtivité, ressources. Je suis tout en normal. D'accord. Voilà dedans. C'est une flaque. Ok, c'est une flaque. Ça avait l'air d'être profond.
Je voulais l'emmener là-bas, mais en fait, non. Aïe! Quand même. Ah. Merci Ellie. Merde. J'ai vraiment pas loupé ce type, hein. Non, tu m'étonnes. Non, tu l'as pas loupé. Tant mieux. Sinon j'allais crever. Pourquoi t'es pas resté en retrait comme je te l'avais dit? T'es content que je l'ai pas fait, non? Je suis content de pas m'être fait exploser la tête par une foutue gamine. Oui. Tu sais quoi? Non. Je m'attendais à... Hé, Ellie, je sais que c'était pas facile, mais c'était lui ou moi. Merci de m'avoir sauvé la vie. Tu crois que tu pourrais me dire ça, Joël? Il faut pas qu'on reste là. C'est toi le chef. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Sarah, emmène Dexter et Neville chez sa mère, chez ta mère. On n'est pas en sécurité ici, Jen est barrée. Ne t'inquiète pas, on prend soin d'elle, est écrit en dessous. En rouge. Ouais, c'est un affreux Jojo. C'est pas le meilleur babysitter du monde. Reste là, ok? Oui, Joël. Pour une fois, reste là, fais ce qu'on te dit. Tu es une enfant, tu es faite pour obéir. Qu'est-ce qu'on a là? Ouh, un nouvel épisode. C'est le 6. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir et on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!